Hey, salut tout le monde, c'est HTMosa. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc encore une fois, une DNA. Une DNA que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Enfin il y a quelques temps, vu que j'ai seulement prestige 15. Donc une DNA à la CM1, forcément une arme que j'aime bien. Que tout le monde aime bien d'ailleurs, parce que c'est la seule mitraille qui est bien. Et du coup c'est sur... c'était en EC. Sur cela, vous allez voir... je vous laisse tout simplement en regarder le gameplay. Donc aujourd'hui si je fais une vidéo, tout d'abord c'est parce que je voulais vous remercier principalement. Parce que j'ai dépassé les 1800 abonnés et ça me fait vraiment plaisir. Je ne suis jamais arrivé à autant d'abonnés, donc ça c'est vraiment cool déjà. Merci à vous d'être autant, ça fait vachement plaisir. Et merci encore une fois, merci. Et ensuite, je voulais vous parler de ce qui se passe un petit peu en ce moment chez moi, quoi. Enfin, actuellement dans ma vie, tout simplement. C'est que j'ai déménagé et du coup j'ai une co vraiment exceptionnelle par rapport à ce que j'avais avant, forcément. Je tourne autour des 32-33 mégas et ça c'est vraiment cool, une vidéo en HD... 1080p etc. Je mettais en 1080p, je devais mettre facile au moins deux bonnes semaines pour une vidéo de 15 minutes à upload. C'était abusé, enfin juste la nuit quoi, c'était vraiment insupportable. En HD ça mettait en 720, ça mettait 3 jours peut-être. C'était vraiment insupportable parce que j'avais 0,512 mégas pour ceux qui se posent la question. Et maintenant avec 33 mégas, je télécharge une vidéo de 10 minutes en même pas 30 secondes. Et j'envoie ma vidéo en même pas 5 minutes quoi. Donc du coup c'est plutôt génial quoi. S'il y a un problème sur la vidéo, je le règle en 2 minutes. Enfin, ce qui me prend vraiment de temps maintenant c'est le rendu quoi. Je dis à beaucoup de fois quoi. Non mais c'est le rendu. Le rendu, voilà, mon ordi il est à bout de puissance. Ça prend un petit peu de temps. Alors que l'upload, etc., c'est infime, c'est tellement rapide. Alors que j'ai que 33 mégas, c'est énorme, mais c'est génial. Enfin, c'est génial. Ça change tout. Même sur code, j'ai beau jouer comme une merde, en ce moment, je me sens pas, l'envie de jouer. Et quand je joue, c'est pas exceptionnel. Avec 20-30 pins, c'est plutôt sympa. Ça se sent un petit peu la co, hein. Surtout quand t'as une balle 27 dans les mains, c'est tellement simple. Et du coup, voilà. Donc pourquoi j'ai déménagé? Parce que déjà, là où j'étais, c'était pas cool. Et là où je suis, c'est bien mieux. Et aussi parce que je fais une formation. Ouais, je retourne en cours, quoi, en fait. Clairement, c'est ça le truc. Du coup, je vais essayer d'être super actif. Parce que maintenant, ce qui était pas bien avant... ce qui était bien avant, c'est que j'avais énormément de temps, mais pas énormément de code. Donc du coup, je pouvais pas faire ce que je voulais quand je voulais, parce que faut savoir que quand j'ai posé une vidéo en HD pendant 3 jours, je pouvais pas aller regarder une vidéo sur YouTube. Je pouvais rien faire quoi. Je pouvais juste passer et utiliser le téléphone quoi. C'est pas génial. Clairement, je pouvais rien faire. Alors que maintenant, j'ai la co. Je peux uploader des vidéos en 2 minutes, je peux faire ce que je veux quand je veux, je peux même faire des lives. Bon, par contre, les logiciels en ce moment que je teste, c'est un petit peu la merde. Je sais pas pourquoi ça merde un peu. Enfin, faut que je regarde tout ça, mais je peux faire des lives quand je veux, je peux faire tout. Il y a rien qui me dérange. Niveau connexion, je suis libre de faire ce que je veux. Mais avec les cours, etc., ça va être plus complexe quoi, parce que j'aurai moins de temps. Mais voilà, là c'est le contraire en fait, vous voyez ce que je veux dire, hein, clairement. J'ai beaucoup de temps, et avant j'avais beaucoup de temps, pas beaucoup de co, maintenant j'ai beaucoup de co et pas beaucoup de temps. Donc c'est un peu chiant, mais bon, je vais essayer d'être super actif, maintenant que j'ai les moyens de le faire. Avant je pouvais, si vous voulez, il y a plein de petites vidéos, j'ai pas mal d'idées pour faire des vidéos. Mais le problème, c'est que sur PS4, on peut enregistrer les voix que quand on est sur Skype. Et d'aller sur Skype avec 0,5 mégas, c'est injouable. Clairement, tu te prends des baffes de connexion, tu peux absolument rien faire. Dès que tu es sur Skype, dès que j'allumais ne serait-ce que le Wi-Fi et je recevais un message,
par internet, hein, franchement, bah, mettons, quelqu'un m'envoie un message sur l'application, comment t'appelles ça, sur l'application PlayStation, mettons quelqu'un qui m'envoie un message, vu que c'est connecté à internet par le téléphone, et bah, comme j'ai plus de 1000 amis, j'en reçois toutes les 10 minutes, et forcément, toutes les 10 minutes, je me prenais une baffe de côte si je laissais là où il y a le Wi-Fi activé. Alors que maintenant, je peux upload, regarder 3 vidéos en HD, télécharger 3 films. Enfin, je vais arrêter de parler de Mako. Mais en tout cas, ne serait-ce qu'avoir 30 mégas, ça change tout. C'est impressionnant. Et pour ceux qui ont 3-4 mégas, j'en connais. Mais je comprends que ça soit pas cool, quoi. Et même moi, avec 0,5 mégas, voilà, c'était insupportable. Mais bon, maintenant, voilà, je peux faire ce que je veux. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez voir sur ma chaîne. Si il y en a certains qui veulent participer à des vidéos avec leur idée, ça pourrait être vraiment super sympa aussi. Je peux faire vraiment ce que je veux sur ma chaîne. Je suis libre de faire ce que je veux parce que avant, si je voulais plus de 2 vidéos par jour, c'était impossible, quoi. C'était complètement impossible. Alors que maintenant, je peux en plus de 10 par jour. Et même, je vais vous parler peut-être de faire une chaîne communautaire avec ma chaîne de clan. Tout simplement parce que, pour ceux qui connaissent mon clan, This is New York, que j'ai créé il y a des années, qui a été créé depuis toujours, depuis qu'il existe les clans déjà sur Code, elle existait. Et du coup, il y a une chaîne. Pour la team, donc à la base c'était pour les joueurs du clan, etc. Pour quand ils font des vidéos de présentation, etc., ils mettaient ça dessus. Mais j'ai envie d'en faire une chaîne communautaire, quoi. Je suis pas encore vraiment d'idée, mais si vous avez déjà des vidéos à me proposer, des trucs dans le genre pour que je mette sur cette chaîne communautaire, n'hésitez pas à m'envoyer vos vidéos. Je vais mettre le lien de la chaîne de toute façon sur la vidéo et dans la description. Et elle est aussi dans la subbox, donc pour ceux qui savent ce que c'est une subbox, vous pouvez aller voir cette subbox pour voir la chaîne. Il y a déjà pas mal de vidéos dessus. Enfin, pas mal, il n'y en a pas autant que sur ma chaîne. Je sais pas combien il y en a sur ma chaîne, il doit y en avoir une bonne centaine. Là, il y en a, je sais pas, même pas une dizaine. Il y a quelques vidéos, dont des présentations de membres de clan. Si ça vous intéresse de connaître un peu mieux les membres, ou pour les membres du clan actuel qui regardent cette vidéo mais qui connaissent pas tous les membres, allez voir leur vidéo sur la chaîne de la team pour les connaître et pourquoi pas jouer avec eux, les inviter, etc. Enfin, après, je vous laisse faire ce que vous voulez, mais au moins pour les connaître, ça peut être sympa. Et du coup, pour les abonnés qui veulent connaître les membres du clan pour les connaître et aller voir leur chaîne YouTube, et pourquoi pas aussi, si vous les aimez bien, jouer avec eux. Ils sont hyper sympas. Si vous voulez les ajouter et tout, il n'y a pas de souci, ils joueront avec vous et après. Après voilà, quoi. Donc je vous en reparlerai plus tard, quand je saurai vraiment ce que je vais en faire. Si ce sera une chaîne communautaire, pour la communauté de la Discord, donc pour le clan, ou si ce sera une chaîne communautaire pour tout le monde, que ce soit Kevin du Ghetto qui fait une vidéo sur GTA 5, comment faire un saut périlleux, ou un joueur professionnel qui fait un TS et qui aime bien son gameplay, qui me le propose. Enfin, voilà, je sais pas ce que je vais faire encore. Donc voilà, donc tout ce que je voulais vous dire, c'était que je peux faire vraiment ce que je veux à la base. C'est ça la base de la vidéo, en fait. Et du coup, si vous avez des idées de ce que je pourrais faire, des séries, même des trucs avec vous, voilà, dites-le moi. Si vous avez des vidéos à vous me proposer pour la chaîne de la DC New York, j'irai les voir. J'irai les voir toutes les vidéos que vous m'envoyez, le lien sur le commentaire de votre vidéo. J'irai la voir. Et si elle me plaît vraiment, je la mettrai sur la chaîne de la team. Voilà. je dis des trucs qui me passent par la tête, en fait. Je la mettrai sur la chaîne de la team si la vidéo me plaît vraiment. Et si vous voulez, j'ai toujours la subbox pour... pas la subbox, c'est la... Merde. La playlist. J'ai toujours la playlist. Donc si vous voulez m'envoyer des vidéos dans la playlist, faites-le.
Moi, je vous laisse. On se dit à très vite parce que je compte vraiment faire beaucoup de vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Je vous laisse sur la killcam de Freezer. Allez, ciao!